Latitude 91. Latitude 91. Mis au parfum de mon avenir depuis le bac à sable. Bulletin scolaire passable, en bas l'ambiance est sale. Je me doutais pas qu'un de mes potos partirait trop tôt. Maman taf dur et le prix pour que j'évite la tôle. Aucun espoir à part de vendre la drogue. J'ai jamais compté sur l'école, madame la prof. La plus grande des vertus est sans doute de rester patient. Avec ou sans talent, ils vont m'aimer pour mon ambition. Je mourrai en vol, style flare, en posant préalia. Toujours une pensée pour nos frères qui ont rejoint les étoiles. J'accepterai bien sans regret ma destinée. Mourir en essayant pour 20 ans être enfermé. Rappelez-moi alors si tout ce que je dis n'est pas fait. Même des chefs d'état passent à la barre, en effet. L'ambition est précieuse, ne t'égare pas. Seul ce sans rêve ni but, ne croiront pas en toi. Je prie pour les miens et vice versa. Ici rien n'est parfait, mais bon c'est comme ça. La street nous a rendus tels que nous sommes. Nos ambitions, la célébrité, les grosses sommes. Retour vers le futur, street ambition. Une tonne de problèmes, peu de solutions. Pas né pour stagner, je vais trouver la faille. Je peux pas me permettre de craquer, je suis un soldat. Retour vers le futur, street ambition. Une tonne de problèmes, peu de solutions. Pas né pour stagner, je vais trouver la faille. Je peux pas me permettre de craquer, je suis un soldat. J'ai toujours été sociable, j'ai jamais pris la grosse tête. Malgré mon petit statut, j'ai fait croquer des gens sans qu'ils me demandent de l'aide. Souris-moi tant que je suis encore présent. Ne verse aucune lampe, si je parle la nature ne stoppera pas le temps. C'est par les grosses taffes de chicha que je m'inspire. T'es claustrophobe, négro respire. Je maintiens l'atmosphère de la pièce comme ça la Shakespeare. Tu nous saoules, change de flow car la date expire. Réussir c'est l'objectif, que ce soit dans n'importe quel domaine. Faire trembler tout un stade ou prendre du plaisir sur scène. J'ai la foi, le but c'est ma proie. Là on le prend à trois. Comment veux-tu que je me décourage si moi-même je crois en moi? Plus le temps passe, plus je constate que la vie n'est pas facile. Le monde marche sous piston, j'utilise mon bras comme dalsim. On n'a pas les mêmes obstacles, mais on veut faire trembler les mêmes filets. Faut du cash, man, ou va te faire enculer. J'prie pour les miens et vice versa. Ici rien n'est parfait, mais bon c'est comme ça. La street nous a rendus tels que nous sommes. Nos ambitions, la célébrité, les grosses sommes. Retour vers le futur, street ambition. Une tonne de problèmes, peu de solutions. Pas né pour stagner, je vais trouver la faille. Je peux pas me permettre de craquer, je suis un soldat. Retour vers le futur, street ambition. Une tonne de problèmes, peu de solutions. Pas né pour stagner, je vais trouver la faille. Je peux pas me permettre de craquer, je suis un soldat. Bienvenue dans nos hoods où même les tarlous prennent du galon. Difficile de s'épaire même si le talent en dit long. Ambition de thug, on affronte nos vies comme des bonhommes. Je suis déter comme les types de ma ville, ainsi que Blacky mon binôme. Le flow sera toujours 9-1 et Los Angeles. Tellement le bail en tête, peux écrire un putain de livre, non mais laisse. T'as pris une grosse peine dans ta tête, c'est le tracas. M'envoie traverse les barreaux, fortifie mes frères au placard. Prêt à prendre des risques pour la monnaie, pire que jacasse. On ne fait que gamberger, à se dire ça passe ou ça casse. Jeune, dis énervé, puis la naissance, faut qu'on nique tout. Et si on crève avant la ligne d'arrivée, c'est le mec tout. Être une légende comme le daron de Marley Ziggy. Sais-tu quelles étaient les ambitions de Pac et Biggie? Si la chance me sourit, je n'oublierai jamais là où j'ai traîné. Je reprends mon souffle et je continue ma route là où j'ai freiné. Je prie pour les miens et vice versa. Ici rien n'est parfait, mais bon c'est comme ça. La street nous a rendus tels que nous sommes. Nos ambitions, la célébrité, les grosses sommes. Retour vers le futur, street ambition. Une tonne de problèmes, peu de solutions. Pas né pour stagner, je vais trouver la faille. Je peux pas me permettre de craquer, je suis un soldat. Retour vers le futur, street ambition. Une tonne de problèmes, peu de solutions. Pas né pour stagner, je vais trouver la faille. Je peux pas me permettre de craquer, je suis un soldat. Alors, j'ai devant moi, j'ai noté les noms, Langers,
Anders et Blacky Blow. Blacky Blow, c'est moi. Voilà, et vous êtes venu avec un ami. Est-ce que votre ami va prendre la parole aussi? ZS. Non, ZS. Il va pas trop parler. C'est de l'équipe. C'est un membre de l'équipe du crime, partenaire. Okay. C'est original. J'allais le demander. Bon, moi, là, quand j'étais petit, je jouais au foot. Mais j'aimais pas perdre. Quand je perdais, je m'énervais tout le temps. C'est les gens qui m'ont appelé comme ça, comme Mark Lander dans Olivier Tom. D'accord. Quand tu m'as parlé de foot, je croyais que c'était Robin Langer. Non. En fait, Blacky Blow, c'est. Moi, mon surnom, c'est Blow. C'est un surnom que ma mère elle m'a donné quand j'étais petit. Et comme tout le monde m'appelait Blow, c'est pas mon vrai nom. D'accord. Mais donc, j'ai voulu le garder. Et j'ai rajouté Blacky avant. D'accord. Et donc, ça fait Blacky Blow. Et vous venez tous de l'Essonne. Mm-hmm. Ouais, vrai. Ouais. Alors, vous venez de quel quartier, On vient du Petit Bourg. Du Petit Bourg, c'est le même secteur. Donc vous êtes un groupe de rap, principalement, que du rap, ouais, plutôt rap hardcore, je me trompe? Ouais, rap hardcore, ça dépend, on fait un peu de tout. On n'est pas seulement dans un seul registre. Mm-hmm. On peut faire du rap posé, je ne sais pas si vous connaissez la trap musique un peu. Non, pour être honnête. Ok, ben on va vous expliquer. On peut faire du rap conscient. Et du rapport corrosif. Pas de slam. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, quand tu dis du rap conscient, c'est-à-dire un rap qui a plutôt un message positif? Ouais, un message positif, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça reste toujours street, rue, quoi. Voilà. Ouais, ça perd pas le côté quartier. Ouais, le côté Ok. Le nom du groupe, d'ailleurs, Crime Partner, ça vient de Samuelo? Ben, Crime Partner, c'est venu un peu par hasard. En fait, c'est moi qui l'ai trouvé. Mm-hmm. Vu qu'on était deux Quand j'étais petit, j'ai vu un film qui s'appelait Partner in Crime. Et je me suis inspiré de ça. Et c'est pour ça qu'on est les deux, on a appelé Crime Partner. Mais bon, les méfaits qu'on fait, c'est depuis tout petit, on les fait ensemble. Hein. Ouais, voilà. Mais quand les gens. Depuis que vous êtes tout petit, quoi. Depuis vraiment petit. Moi, je suis arrivé à Évry en 2000. Avant, j'habitais dans le 9-3 à Clichy-sous-Bois, mais je suis arrivé à Évry en 99. D'accord. Et là, t'es tu t'es retrouvé dans la même école, j'imagine, que Landers dans le même quartier, en fait. Ouais, dans le même quartier. Dans le même quartier, ouais. Exact. Donc, tout de suite, vous avez accroché, vous êtes devenus potes. Tout de suite. Ouais, en fait, Crime Partner, c'est né depuis un an. C'est depuis un an qu'on comporte le mot Crime Partner. Mais sinon, avant, on rappelait ensemble depuis 2004-2005. Mais on n'avait pas vraiment de mots, de groupe avec un mot. Et c'est là, récemment, on a décidé de faire un groupe. Voilà, de prendre un nom et de prendre... Voilà. Alors j'imagine derrière une vraie production, peut-être. Pardon, tu veux dire quelque moi, chose? Moi, je rappais avec un pote à moi qui s'appelle Bauer. Ouais. Depuis tout jeune aussi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que lui, il était toujours là. Toi, Blacky, il était toujours à côté de moi. Les gens, ils pensent que j'ai choisi un autre book, mais lui, il était toujours là, tu vois. Mais aujourd'hui, avec Bauer, on est toujours potes, mais on rappe plus ensemble, tu vois. Mais on est toujours ensemble, quoi. D'ailleurs, en parlant de rap, vous avez fait un morceau avec Malasson. Voilà, exact. Oui, Malasson, c'est un bon petit à nous, respectueux, tout ça. Et vous connaissez Dairon? Ouais, on connaît. Tout le monde le connaît. Oui, non, mais je pense que vous connaissez tous les rappeurs du coin, hein, Askel et tout ça. Ouais, c'est si. Ça, c'est... Voilà, bien sûr. Ok. Là, on vous accueille parce que vous allez sortir un mixtape. C'est bien ça. Alors, vous pouvez expliquer ce que c'est un mixtape, pardon, parce que... Un mixtape. Une. Une mixtape, pardon. Ouais, c'est une mixtape, on dit. Ouais, c'est vrai. On a mixé, ok. En fait, on dit mixtape parce que... Voilà, pour... C'est... En fait, nous, c'est comme des albums, mais c'est mixtape. C'est mixtape, tu peux mettre beaucoup de sons, c'est un mix de... En fait, c'est un peu moins carré que... qu'un album. Un peu moins carré qu'un album, quoi. Je sais pas si vous connaissez, il y a des faces A, des faces B... Des faces A, c'est des faces que des producteurs nous envoient directement. Des faces B, c'est des productions qu'on prend deux, trois rappeurs. Ouais, voilà. Ouais, deux, trois rappeurs, mais qu'on pose dessus. Les mixtapes, j'avais l'impression, moi, quand j'étais plus jeune, que c'était en fait. C'est pas. C'est un album. Comme compile, quoi. C'est à peu près comme compile. Ouais, voilà. C'est comme une compile, mais en fait, c'est pas des morceaux tous de la même durée avec des morceaux qui étaient attachés, il y a des morceaux qui étaient plus courts, il y a des En fait avant le mon mixtape c'était plus des cassettes, il y avait des morceaux, c'était pas bien mixé. Voilà, c'était à l'arrache, quoi, c'était ghetto. Derrière, c'était pas vraiment propre.
Maintenant, maintenant la nouvelle génération, même des grands rappeurs, maintenant leurs mixtapes, tu les écoutes, on dirait des albums. On dirait des albums, hein, même au stade, tu regardes les mixtapes, des albums. C'est plus comme avant avec les cassettes où toutes les pistes s'enchaînaient un par un et qu'il n'y avait pas de. Avec le DJ qui criait. C'est plus comme ça maintenant. Maintenant, un mixtape, ça ressemble plus à des albums. Mais après, les gens, ils ont pas le mot mixtape pour leur montrer que. Pour montrer que c'est pas propre en fait. Que ce qui arrive ensuite, ce sera plus. Sera mieux. Et quand tu fais un album, tu vois, la différence, c'est tous les titres sur un album. Le nom de l'album. Ben, et tous les titres, ils parlent de la même chose à peu près. Alors que mixtape, tu peux varier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est même dans la forme, tu peux mettre des choses complètement différentes. Ah, quand tu entends le mot de la mixtape Street Flame, ça. Street Flame, en fait, c'est. Flemme en anglais, ça veut dire déflagration, feu, flamme. Les gens ils croient que ça veut dire flemme, ouais. T'as la flemme, tu vois. C'est pas vraiment conscient. Ils sont bizarres, les gens. Voilà, on crache ce qu'on a envie. Et depuis le 5 mai, donc, on est disponible sur YouTube. Sur iTunes. Sur iTunes, ouais, pardon. Mais il y a quand même vos morceaux qui sont aussi sur YouTube. Ouais, c'est là que j'ai vu les clips. Ouais, il y a plusieurs clips sur YouTube. Et alors justement, là, ça fait qu'un an que vous rappez, mais j'ai vu que vous avez déjà des bons clips. Enfin, ça fait pas un an, mais ça fait un an vraiment. Ça fait un an que Crime Partner est précisé. Ouais, voilà, ouais. Donc, il faut préciser. Mais vous avez déjà donc une bonne production, parce que quand même, votre son est propre. On sent justement que c'est pas... on essaie de faire des... Ouais, on essaie de... Mais vous enregistrez où? Ouais, avec quels moyens? À Mérite Clichy, avec nos propres moyens, on connaît un ingé en fait qui s'occupait de nous depuis tout petit. NKF. En fait, quand on a commencé en 2004-2005, il y a bien longtemps, on a enregistré avec un ingénieur qui s'appelait NKF. Il nous a enregistré à Ris-Orangis, on était tout petit. Et on a grandi, et maintenant lui aussi il a progressé. Maintenant il a un bon studio à Porte de Clichy. Ouais, Mérite Clichy. Ouais. Maintenant on l'a suivi là-bas. D'accord. Et alors, c'est quoi la particularité de la musique de Crime Partner par rapport aux autres rap qui existent? Il y a maintenant une vraie fusion de rap, hein, ouais. Il y a beaucoup de groupes. Qu'est-ce que vous, Crime Partner, vous avez de particulier? C'est comme... difficile, je sais. Hein, ouais, c'est... Non, franchement, c'est... On déjà, dire, on sort les gens, déjà, ils nous écoutent, ils nous assimilent beaucoup à la trap musique, en fait. En fait, la trap musique, c'est un style de musique qui vient du sud des États-Unis avec des grosses basses. Des instrus un peu sales, pas des mélodies un peu chantantes, un peu... Ça envoie du lourd, en tout cas. Ouais, ça envoie du lourd, en fait. On va dire ça comme ça, ouais. C'est... Écoute, la production, c'est déjà... voilà, quoi. Même c'est ce qui se fait aujourd'hui. Hein. Quand tu écoutes des rappeurs comme Kaaris, Booba, leur production, c'est un peu ça, la trap musique. Mm-hmm. Les gens, ils nous assimilent plus à ça. Mais on n'est pas seulement dans la trap musique, on peut faire même du conscient, tout. Même sur les instruits trap, c'est ça que les gens savent. En fait, on a commencé par ça. On a commencé par la trap musique, entre guillemets. C'est-à-dire que vous, en fait, vous voulez être éclectique, quoi, dans votre musique. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul style de rap, ouais. Vous voulez vraiment... Tu nous donnes l'instru si ça nous plaît, on kick, hein. Mais sans faire esprit, les gens, ils nous assimilent à ça. C'est peut-être parce que vos morceaux les plus connus, entre guillemets... Ouais, voilà. C'est pour ça. Ok. Et c'est qui les artistes qui vous ont influencé justement? Parce que là vous avez parlé de trap musique, mais donc vous faites du rap depuis 2004, c'est ça? Même plus avant, ça, ouais, ouais. Mais c'est plus des artistes new-yorkais, hein. C'est même pas les Rick Ross ou autres, ça c'est des nouveaux. Voilà, c'est des artistes new-yorkais. Ouais, c'est plus Cameron, ça qui nous... Tout ça, Deep Set, tout ça. Je sais pas si vous connaissez un peu, les Nas, même avant, bah ouais. Mobb Deep. Nas, ouais, si je connais. Mobb Deep, le rappeur de New York comme ça, CNN. Après, du côté de la West Coast, Tupac, Easy, comme tout le monde connaît. Ouais. On est un peu influencé partout, hein, même dans le rap français. On est un peu influencé partout. Les gens aiment bien dire qu'ils n'écoutaient pas le rap français, mais moi je ne les crois pas. Moi je pense que le secteur A, tout ça, tout le monde a saigné. Ouais, mais ça c'est... À moins d'avoir 19 ans. Ouais, ouais. Moi qui suis plus loin, ouais, des faits, ouais. Même aujourd'hui, on est fan des rappeurs qui sont là. Dynastie, tout ça, c'était de l'époque. Ouais. Donc, vous disiez tout à l'heure que vous arriviez à. Je reviens sur la production. Comment on fait si jamais. Voilà, moi je suis un jeune rappeur, là, j'écoute la radio ce soir. Comment je fais pour produire mon disque? Parce qu'en fait, vous avez, entre guillemets, peu de moyens. Mais c'est pas vous qui mettez de l'argent dans. Non, on est totalement indépendant. C'est nous. Ce qu'on fait, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne, il n'y a pas de manager, il n'y a rien. Pour l'instant, c'est de A à Z, c'est-à-dire la musique, les paroles. Ouais.
enregistrement, donc le tout. Mix. Ouais. Voilà, les arrangements, c'est vous aussi. Les arrangements, ouais, YouTube, les pochettes, les clips. On fait appel à certaines personnes, mais c'est... on sort tout de nos poches. Et revenu, vous l'avez trouvé où? Comment ça? Ça, c'est des questions difficiles. Revenu, ça. comment on paye Mais comme toi, tu payes tes choses, tes affaires, tu vois. Toi, tu trouves comment, toi? D'accord. Donc là ça, veut dire, ça veut dire, par exemple, si vous avez besoin d'un ingé son pour le studio, c'est ou bien alors le mec il vient gratuit, ou bien alors vous payez. Ah non, on paye. Non, on paye. Ah, on paye. Donc c'est de l'autoproduction. On paye même cher l'heure. Hein. 35 de l'heure. C'est 35 euros l'heure. Pas. Pas de... 35 de l'heure. Après, c'est. Ah, j'avais pas compris sa question. J'ai cru qu'il demandait après, c'est comment on obtient notre argent. Après, c'est d'investissement. On est obligé. Aujourd'hui, en 2014, on est obligé pour tout. Pour tout obligé. Bon, on est venu ici gratuitement. Bah ouais. À Everyone, mais. Et vous avez déjà essayé de trouver des producteurs, je dirais, conventionnels? Ouais, si. Il y a des gens qui nous approchent, mais on veut pas travailler avec n'importe qui. On veut pas tomber sur un blagueur. Parce qu'il y a plein de ton truc qui met des menteurs à peu près. On veut pas travailler avec n'importe qui. Sinon, on sait que même demain, si on veut, on peut travailler avec une structure d'un tel, mais on fait attention. Ouais, c'est vrai. Faut beaucoup se méfier. Ouais, faut se méfier parce que. Des fois, c'est mieux de faire les choses soi-même. D'accord. Il y a plein d'exemples de gens comme vous qui ont coulé parce qu'ils n'ont pas pris la bonne. Ouais, j'ai vu. On leur a mis des étoiles dans les yeux. J'ai vu. C'est vrai que... Ah, même, il y a une question de liberté aussi, la liberté artistique. Ouais, pour l'instant, après, on ne sait pas de quoi sera pour l'avenir, mais pour l'instant, on est bien comme ça. Et vous avez des projets de scène? Pour l'instant, on a des propositions, mais on verra. On verra bien. Si vous en avez pour nous, on est open. Mais ouais, mais je sais qu'il y a certains festivals, je vous en parlerai après si vous voulez, mais il y a certains festivals où vous pourriez passer. Vous avez tout à fait votre place. Bah oui. Ok. Donc votre album. Mixtape. Mixtape, précisément. Mixtape s'appelle Street Flame. Street Flame, d'accord. Il est disponible sur iTunes. Il marche bien pour l'instant? Bon, ouais, pour l'instant, on a des bons échos, hein, mais on aura les CD aussi. On aura les CD aussi qu'on va distribuer de main en main. Et voilà. Ce ne sera pas dans les Fnac, Virgin, etc. C'est... Ouais, maintenant, on a des. À la Fnac, ils ne prennent plus. Hein. Il y a 15 morceaux, je crois. Il y a 15 morceaux. Ouais. En fait, c'est plus. Ce projet, c'est plus une carte d'identité. Voilà, quoi. On prépare d'autres choses, un EP. Un album, d'autres mixtapes qui arrivent. Ouais, comme ça, ça montre ce que... Voilà, ouais. Ah, ça, c'est voilà. Juste pour dire, ils sont là, quoi. Ouais, c'est arrivé. Voilà, ouais. C'est une carte d'identité, en fait. C'est le début d'une grande aventure. Ouais, c'est seulement c'est le début. Ouais. C'est seulement le début. Et justement, donc là, on parlait tout à l'heure de messages positifs. Qu'est-ce que vous avez comme message principal dans votre musique? Ou l'un des messages principaux, dans votre musique, pour la jeunesse, pour les quartiers? Moi, j'ai eu l'occasion, parce que c'est vrai que... Vous avez vu, là, c'est la présentation, je l'ai appris un petit peu au dernier moment, mais ouais. Moi j'ai eu l'occasion d'écouter certains de vos morceaux juste avant. Mm-hmm. T'as écouté lesquels? C'est pas les titres? Non, j'ai plus les titres. Il y a si j'ai écouté celui avec Manasson, le premier. Ouais, ça, ouais. J'ai plus le titre. Ouais, en plus, j'ai pas le temps de le noter. Non, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus les titres. Mais j'ai écouté en fait les trois premiers qui sont déjà sur votre Facebook. Parce que vous avez une page Facebook, il faut en parler aussi. Ouais. Mm-hmm. Mais déjà, celui avec Street avec Manasson, c'est. Le titre, c'est Street Ambition. Mmh. Ouais. Donc, ça en dit long, ça veut dire on parle des ambitions qu'on peut avoir, d'où on vient, ouais. Avec peu ou beaucoup de moyens. Voilà, on essaie de donner la force aux gens qui nous écoutent, autour de nous, et voilà. On doit faire des choses trois fois plus que les autres, mais il ne faut jamais baisser les bras, en fait. Il ne faut jamais laisser personne dire que tu as un raté. Ah, ça surtout. Que ce disque, c'est la preuve que vous dites que vous réussissez par rapport à... Mais voilà, en fait, on apporte de... cette mixtape, on peut, comme je disais, avec beaucoup plus de moyens, on aura pu même dire que c'est un album. Parce que si vous avez écouté les sonorités, du premier au 15e son, il y a plein de thèmes qu'on aborde. C'est éclectique, quoi. Il y a beaucoup de thèmes qu'on aborde. Il y a Pur et Dur que j'avais écouté. Ouais, Pur et Dur, ça, c'est vraiment
C'est vraiment hardcore c'est comme groupe. C'est pour ça que je te parle hardcore. En fait, c'est pour toucher un peu tout le monde. Hein. Après. Ouais, non, mais en fait, même s'il y avait, c'était hardcore, j'ai eu l'impression que le message était. Voilà, c'est des messages quand même, tu vois. Comme on t'a dit, on est dans tous les registres, on n'est pas seulement dans le rap hardcore ou dans le rap sensé ou dans quoi que ce soit. Tout le monde trouve son compte. Voilà, tout le monde trouve son compte. Tout en restant nous-mêmes, tu vois, tout en restant nous-mêmes. Avant de terminer, on rappelle le principal, c'est la mixtape. Qui sur iTunes. Voilà. Vous avez un Facebook ? 499. Ouais, le Facebook, c'est Crime Partner. Le Twitter, Crime Partner Musique. Et le YouTube, Crime Partner